Ok, il a sorti quoi? Sortir avec un homme pauvre. Si tu vis pauvre, je vais vivre avec toi. En étant pauvre, si tu es riche, je vais vivre avec toi, riche. Si ça fait 5 ans qu'il est au chômage et que genre toute la journée il fait rien, genre je serai là, mon bouge. Parce que là on se retrouve à tout gérer en fait, tout payer, c'est pas mon gosse quoi, donc non. Après moi j'aime bien les mecs un peu plus. Ok, maintenant je vais dire un truc, on va dire les termes. Si frère, tu fais rien de ta vie, en fait, il y a des métiers, ils gagnent pas. Genre, il faut dire, il y a des métiers, ils gagnent mais pas. Mais un jour, en tant que chat, j'ai demandé à être un paiement refusé car j'ai dû payer un nouveau mois pour le goût. Merci pour le cinquième mois, mais bon, prendre des paiements refusés, je sais que la vie elle est dure, mais paiement refusé pour 4 euros. Non! Ok. Tu vois, moi, ma meuf, elle peut être au SMIC, ça me dérange pas du tout, etc. Même moi, carrément moi. Mais il faut qu'elle fasse un truc qu'elle aime, tu vois. Si son métier, il est artistique et pendant des années, elle fait pas un euro, bah, tu vois, tant pis. Moi, je veux qu'elle accomplisse sa passion et qu'elle fasse ce qu'elle veut, tu vois. Mais si c'est je fais rien de ma journée, j'attends comme ça, bah, frère, c'est nul, quoi. Genre, c'est gaze. Mime, non, moi, je veux pas une meuf qui a un mime, frère. Non. Flemme. Actrice, ouais. Si ma meuf, elle veut être actrice et tout. D'ailleurs, j'y ai pensé. Imagine, genre, je sors avec une meuf et elle veut être actrice, genre, faire des films et tout. Genre, faire des films et tout. Et ma meuf, genre, elle fait un film où elle est en relation amoureuse avec un mec. Genre, en tant que son gars, tu vois. Je peux pas lui dire de pas le faire et tout, parce que bah, c'est son rêve, elle veut être actrice et tout, machin et tout, etc. Mais genre, en mode, elle doit faire des... Genre, tu vois? J'aurais un peu la haine, tu vois. C'est rien, ça y est. Genre, elle fait des fausses scènes de sexe. Où elle se fait prendre en leuleux et tout. Et ce truc, et vous, ça vous dérange pas, vous. Pour qu'elle finisse comme la meuf de Tom Holland. Ça vous dérange ou pas? S'il y a une scène de sexe. Genre, après, c'est des scènes de sexe, c'est des fausses scènes de sexe, hein. Juste les deux, ils sont nus, quoi. J'avoue, c'est une dé, mais c'est un métier. Ouais, mais il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Les acteurs, ils sortent que entre acteurs, parce que les mecs, en dehors, ils peuvent pas... C'est dur pour eux, tu vois. Et moi, je les comprends, frère. T'imagines ta meuf, elle fait semblant d'être amoureuse, genre elle regarde avec un regard amoureux. En plus, du coup, après, tous les critiques de films, ils disent « Ah, oh, ils vont trop bien ensemble !» Genre, et toi, frère, t'es à côté, tu vois les mecs sur Twitter qui disent... Ah ouais, elle irait trop bien avec lui. Putain, ça se voit, ils sont vraiment amoureux et tout. Et tout, ça se voit, ça va déboucher sur un vrai truc. La vie de ma mère, j'aurais trop la haine, moi. Vraiment. En termes Ça fait des d'âge, édits, ouais, déjà, parce que leur vraiment. vie professionnelle, le fait que ça soit moi, femme, Genre, qui coupe le goal paye, et ça tout, devrait oh pas la être paix. problématique. On est bien, quoi de mieux d'être servi sans rien faire. Je me suis fait seul, pas de contact. Croix et suivez, pas de compact. Sky dans laquelle je prends les grosses vagues. Je fais que de pêcher, pas de quota. Est-ce que t'es déjà sorti avec un homme pauvre? Pauvre, je sais pas. Je sais qu'on était tous les deux étudiants, donc on a forcément un budget limité. Mais donc je dirais que oui, vu que je m'attendais pas spécialement à ce qu'il m'offre des La choses ou à ce qu'on patate! fasse des choses super chères non plus. Donc oui, je dirais que oui du coup. Non. Pourquoi? C'est pas arrivé. Enfin, en tout cas, à chaque fois, il travaillait. Donc je pars du principe qu'il n'est pas pauvre du moment qu'il travaille. Oui. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Bon, je suis jeune et pauvre également, donc. La vie d'adulte, justement, quand t'as commencé à grandir, à vieillir, est-ce que t'es sorti avec un homme pauvre? Très bonne question. Mais après, pauvre, dans quel sens? Pauvre pour moi, c'est modeste. Enfin, c'est quelqu'un qui est normal, quoi, qui a un travail, qui est normal pour moi, c'est ça. Je sais pas, qui a du mal à s'en sortir financièrement, qui peut pas se permettre de faire tous les restos qu'il veut, qui a un budget assez limité pour voyager. Bon, Voilà, pour c'est moi, c'est quoi ça, pauvre déjà? pauvre entre En guillemets. vrai, pauvre, ça veut dire le SMIC, les gars, on va être honnête, hein. Quand elle dit un mec pauvre, c'est le SMIC, hein. Vois ce que je veux dire? Faut dire les termes, hein. Ah, si on part vraiment de les tranches de revenus, je dirais que ouais, que SMIC si ou je en suis dessous, déjà à peu sorti près. quelqu'un de pauvre, malgré le fait que je travaillais, enfin que je suis rentrée dans la vie d'adulte. Et comment ça se passait? Moi, je m'en tape si ma meuf, elle est au Ah. SMIC, hein. Je m'en tape. Je viens de me souvenir d'un tant truc, qu'elle aime ce qu'elle c'était pas fait facile, c'est vrai. et que son Mais but c'est quelqu'un c'est d'aller quelque que part. j'aimais vraiment profondément. Donc je suis restée avec lui un certain temps, 4 ans, très exactement. Enfin, mais sur les 4 ans, il n'avait pas des problèmes financiers tout le temps. Mais c'est vrai que sur la fin, c'était compliqué. Là, vu que vous êtes plutôt jeune, est-ce que c'est le premier critère que vous regardez? Bah non, pas du tout.
Non, non, pas du tout, du tout. Bah en fait, je suis jamais sortie. Enfin, je suis jamais sortie avec personne. Du coup, c'est pour ça. Mais enfin, honnêtement, je m'en fous. Hein. Non, moi, ça me posait pas de problème. Enfin, moi non plus, je suis pas non plus de fou riche ou quoi. Mais les puffs. Non, ça me c'est vrai que ça va être interdit, ça. C'est vrai que ça va être interdit. Mais les gars, pourquoi vous dites menteuse? Frère, la vérité, frère, le nombre de meufs, même riches, qui se font baiser dans des caves de cité, avec tout le respect, hein, quand t'es jeune, les gens, ils s'en battent les couilles d'étale, frère. Vraiment, hein. Ça baisse dans des crousses, dans des 9 mètres carrés. Hein. Et ouais, les gars, juste si t'es beau, ça suffit. Hein. Après, quand t'es... y a des michetots et tout, tu vois, mais bon. Moi, les gars, je serais une meuf, je serais une bête de meuf et tout, je me ferais acheter des sacs par des gars et tout, hein, vraiment. Hein. La vie, hein. Les gars, moi, si tu me veux, si le mec il me veut, frère, achète-moi des sacs. Tu vois ce que je veux dire? Tac, tac. Achète-moi des sacs, achète-moi, fais-moi ma manicure, paye-moi tout ça, tu vois. Moi, je suis là, je me fais belle. Je me fais belle. Est-ce que tu me mérites? T'es team 50-50 ou tu payes tout? J'invite, je paye, on m'invite, je paye. Hein. C'est tout, hein. Ah ouais, moi juste ça fait un peu je sais pas si je suis old school comme ça, mais je me dis, vas-y, imagine, tu fais un date avec une meuf, tu l'invites, hein, et à la fin tu regardes l'addition, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis on fait 50-50, je peux pas, on t'invite, tu payes? Non, on m'invite, je paye pas, hein. Il me dit, ouais, je t'invite, on va faire vas-y, je t'invite, on va à ce concert là. Enfin, non, c'est un mauvais exemple. Je t'invite, on va faire... je sais pas, quelle activité. Je t'invite au ciné. Si on me dit, ouais, je t'invite au ciné, bah, je vais dire, ok. Et je vais dire, ah, c'est gentil, merci et tout. Tu veux aller voir quoi? Bam. Tu me payes ma place, je te paye les pop-corns, et puis voilà. Fin. Par contre, si je dis, ouais, je t'invite, on va au ciné, bah, je te paye la place, et après, les pop-corns et tout. En fait, moi, je suis un mec, ok. Par exemple, je suis un mec, par exemple, quand je vais au ciné, j'achète des pop-corns. Ok, je suis un pigeon, blablabla, 7 euros le pop-corn, 3 euros la boisson, oui. Mais t'as vu? T'es là, t'achètes la place, t'achètes tes trucs. Il y a la personne à côté. Elle te regarde, même si elle veut pas. Moi, je suis obligé de proposer, tu vois. Je suis obligé de proposer, même si je suis pauvre, même si j'étais pauvre. J'avais 5 balles sur mon compte, et qu'après j'allais être à découvert, je suis obligé de lui proposer, t'en veux toi aussi? Après, elle me dit oui, elle me dit non, et voilà. Il me dit, ouais, on partage les popcorn ensemble, truc. Ok, tu vois. Moi, je suis trop généreux, j'achète pour mes potes et j'attends rien en retour. C'est bien d'être généreux, mais c'est bien d'être généreux avec les bonnes personnes. Parce que c'est... En fait, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, faut pas penser à ce qu'il va t'offrir quelque chose en retour. C'est la base du truc. T'offres quelque chose à quelqu'un, tu te dis pas, ouais, ouais, si je lui offre ça, dans 2 semaines, il va m'offrir ça. Sinon, c'est une relation transactionnelle, c'est pas comme ça. Mais genre, faut pas non plus... Tu vois, un mec, il fait que gratter, frère. Après, il y en a, ils ont pas de tal. Donc, ils peuvent pas t'offrir. Mais si tu vois un mec, c'est un vrai, wesh, y a aucun problème à payer les trucs, hein. J'imagine, ta meuf t'offre un cadeau d'une valeur de 50 balles qui te plaît pas plus que ça, et genre, pour ton anniversaire, elle veut un truc à 500, tu fais quoi? Genre, mais on s'en bat les couilles. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais été dans cette situation. Mais genre, moi, si elle m'offre un cadeau à 50 balles, et que le cadeau il me plaît, c'est pas le prix du cadeau qui compte, c'est genre le fait que ça me plaise en fait. Tu vois? Et après, bon, elle va pas abuser, wesh. Enfin, si la meuf elle m'aime bien, elle va pas abuser, elle sait très bien, wesh, je suis pas millionnaire ou quoi, tu vois? J'ai pas alors. Est-ce que vous pensez que dans le futur, quand vous serez plus adulte et qu'il y aura des factures à payer, ce sera un critère assez important? Bah, je pense que j'ai pas envie que la responsabilité financière de ma famille elle repose que sur moi. C'est ça, donc j'ai pas envie de moi être la seule à subvenir aux besoins de, Adrix, de merci ma pour famille le et tout. Mais je pense que je vais pas chercher non plus moi à dépendre de quelqu'un, quoi. Que ça soit un peu pied d'égalité. En fait, tant qu'il fait un truc qui lui plaît, genre je m'en fous. 13 mois, mémelle, bébou, tu vas jouer à 2K24. Ça passe. Je suis pareil que la meuf. Faut que la meuf elle a un. En fait, l'important c'est de ne pas rien faire, d'être au chômage ou à. Si son objectif c'est d'être femme au foyer, ça me va aussi. Ah ouais. Ça me va aussi. Ça, c'est ça? Non, pas forcément, parce qu'après, le RSA, ça peut être une période dans la vie, parce que parfois, on change de boulot, il faut retrouver l'envie, etc. Donc, si c'est une phase, en gros, c'est pas très grave. Si ça dure trop longtemps, c'est sûr que là, ça peut devenir... Mais après, tout le monde peut pas être responsable d'une famille entière, hein. C'est compliqué. Hein. C'est quoi, ça? C'est une dinguerie, frère.
Franchement, tu fais ça à un enfant, tu mérites qu'on te l'enlève, hein, la vie de ma mère. Hein. Tu mérites que le gosse, on te l'enlève, frère. Le gosse, il est sous puff. Oh, ça bug comme ça. Et c'est dans cette maudite ville de Lyon. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est maudite, cette ville. Pourquoi ça marche pas? Fuck Twitter, fuck Elon Musk. Vas-y, qui nique sa mère, Elon Musk, frère. Bon, vous voyez, le bébé, il puff, il est sous puff. Plus difficile. Si ça fait genre 5 ans qu'il est au chômage et que genre toute la journée il fait rien, genre je serais là, on bouge, genre. Ouais, moi c'est ça, c'est juste tant qu'il fait quelque chose dans la vie, qu'il fait cette pas rien. Maudite ville de Lyon, ouais. Moi qui l'aide un peu et voilà quoi. Moi je vis plus avec les gens en fait. Moi j'habite chez moi, seule avec mes enfants. Je dépends de personne en fait. On fait des sorties, des choses, mais ça passe normal, bien. Je m'intéresse pas au porte-monnaie de la personne en fait. Il fait de son côté, moi je vais de mon côté. Et lors des sorties en fait, comment ça se passe? Vous payez plus, il paye plus ou c'est équilibré? C'est équilibré, ça a toujours été équilibré. Justement, est-ce que vous êtes sorti avec un homme ou pendant les sorties vous deviez plus payer? Non, 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 pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je pense que des deux côtés on se met d'accord et on, voilà, soit on fait moitié-moitié ou alors soit lui paye ou moi je paye. D'où ma question. Ouais, moi je préfère être en mode je paye et ensuite toi tu payes. Qui n'est pas capable de payer des sorties, des restaurants, des cadeaux, des voyages. Mais ouais, c'est pas de sa faute, miskine, frère. T'as vu? Après, en fait, ça dépend. Si le mec, il est sous... T'as vu les mecs au SMIC avec des costumes à 3000 euros, toi, va te faire enculer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, c'est juste t'as pas de table, t'as pas de table. En mode, c'est obligatoire. Ah. Ah. J'hésite entre l'accident, mais c'est un accident. C'est chaud, ça. Ah ouais, c'est pas possible, hein. Quand même, il faut un minimum. Un tout petit, vraiment minimum, oui, quand même. C'est parce que minimum. Là, on se retrouve à tout gérer, en fait. À gérer nos sorties, l'homme, tout payer, c'est pas mon gosse quoi, donc non. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un homme avec qui tu t'entendais plutôt bien, mais qui financièrement il s'en sortait pas trop? Après j'avoue que la plupart des hommes que je rencontre c'est sur les applications de rencontres, donc je sais déjà en fait en amont ce qu'ils font dans la vie. C'est pas un critère de sélection chez moi, mais je suis jamais tombée sur un mec qui financièrement avait des problèmes, donc non. Le début c'est pas sur ça que je te passe. Un mec il a des dettes. Plus avec lui, ta connaissance. Non, du tout. Après moi j'aime bien les mecs un peu plus matures en termes d'âge, donc ils ont déjà en fait entre guillemets construit leur vie professionnelle. Donc forcément je suis moins amenée à rencontrer des mecs qui ont ce genre de soucis. Mais c'est pas du tout un souci de mon côté. Enfin, je me débrouille très bien financièrement parlant toute seule, donc je vois pas pourquoi la personne en face. On a vu hein, quand tu mets des lunettes comme ça, c'est déjà on le sait ma chérie. Hein. Une meuf qui met des lunettes comme ça, on sait qu'elle s'en sort. Elle n'a pas de soucis financièrement. Ça aurait une influence sur moi, quoi. Vous m'avez dit que vous étiez algérienne, c'est ça? Oui. Comment ça se passe en Algérie, en fait? Est-ce que là-bas, le critère financier, c'est aussi important que d'autres, comme l'amour ou le physique ou la religion? Un peu moins qu'ici. En fait, nous, en Algérie, je crois, on demande plus la paix qu'autre chose. On ne se concentre pas sur l'aspect financier pour beaucoup Merci de femmes. Pour notamment pour des femmes qui sont âgées, des femmes qui ne sont pas mariées tôt. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a beaucoup de femmes qui se marient avec des hommes qu'elles ne connaissent même pas. Donc, elles ignorent l'aspect financier. Ça, c'était bien avant. Certes, il en a encore des femmes qui se marient de cette manière, en ignorant l'aspect financier, mais... C'est vrai, il y a beaucoup de mariages... arrangé ou pas? Les gars, est-ce que si vous avez genre 28, 29 ans et tout, 30 piges, vous trouvez pas de meuf, vous arrivez pas à trouver, est-ce que vous demandez à votre daronne ou votre daron de vous trouver une meuf là-bas, genre, vous faire un mariage arrangé? Dis ouais, s'il te plaît, frère, trouve-moi une bonne, une meuf belle, s'il te plaît, non? Merci Migras, merci pour le 26e mois. S'il te plaît. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se marient. On se concentre sur l'aspect financier. Gros, j'accepte. Mais quand tu dis elle ignore l'aspect financier, c'est elle ignore pour elle, mais elle prend en compte celui du mari. Non, si, elle ignore même pour le mari, c'est-à-dire elle ne pose même pas la question si tu as de l'argent ou pas. C'est-à-dire, moi, je vais vivre... Les questions de dot et tout, si je veux marier une meuf, ça me dit, ouais, paye 5000 euros, la tête d'homme, t'es fou, quoi. T'es fou. Tiens un rouge, tiens un bleu, t'es malade ou quoi? Moi jamais de... ces histoires de dot, ça me regarde pas moi. Moi je suis pas musulman, hein. Ta dot, mais tu te la mets dans le cul, hein. Vraiment. Hein. Je te le dis. Hein. Si tu vis pauvre, je vais vivre avec toi. En étant pauvre, si tu es riche, je vais vivre avec toi riche. Elle accepte la situation telle qu'elle est. Après il y a beaucoup Déjà mon mariage, ça va être un mariage sobre.
Je vais pas mettre des 20 000 euros dans mon mariage, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça va être un beau mariage, mais frère, ça va être dans la sobriété. Hein. Besoin, même après le mariage, parce que quand elle était chez ses parents, on va pas dire qu'elle était riche, mais elle était bien financière. Parce que la femme, jusqu'au mariage, elle vit chez ses parents. Donc c'est son père ou bien sa mère qui vont la prendre en charge, à part si elle travaille. C'était pas tant le manque d'argent qui était problématique, c'était surtout le fait que, enfin, exemple, on va faire les courses. Moi, j'avais de l'argent sur mon compte en banque, donc je l'ai payé avec ma carte. Et il a insisté pour que ce soit lui qui fasse le coffre. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, en fait, c'est finalement son ego masculin qui posait problème, pas tant le fait qu'il n'avait pas d'argent. Bah après, c'est dit, comme il n'a pas trop d'argent, il aimerait payer, mais... Franchement, s'il faut un peu... Ouais, mais là, pour le coup... C'est vrai, il y a l'ego de l'homme. Est-ce que ça vous dérange si votre meuf, elle gagne plus que vous? Sondage. Je suis con ou quoi? Putain, il est con ce mec. Oui, ça vous dérange. Oui, ça me dérange. Non, ça me dérange pas. Ça me dérange. Après, si tu payes pas la meuf, elle va raconter à tes copines que c'est elle qui paye, on les connaît. Genre, elle va dire que t'es pas un homme capable, c'est ça? Après, moi, j'ai entendu plein d'histoires où des meufs, elles payent des cadeaux de fou, elles payent des voyages à leurs gars et tout. J'ai jamais entendu des histoires de meufs qui étaient radins avec des gars qu'elles aiment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je commence à 35% oui. Les gars, vraiment, j'ai envie de... Ok. Je crois qu'on avait déjà fait ce débat il y a longtemps. Pourquoi ça vous dérange que votre meuf, elle gagne plus que vous? C'est incroyable, frère. C'est incroyable. Franchement, Discord, s'il vous plaît. Discord. Discord, les gars. Je suis sûr que c'est les petits qui ont cet avis-là. Ok, les gars, Discord, ceux que ça dérange. Discord. Je veux avoir votre avis. Tu dépends de ta meuf, c'est pas digne d'un homme. Mais tu peux ne pas dépendre de quelqu'un qui gagne plus que toi. Hein. C'est parce que quelqu'un gagne plus que toi que t'es dépendant de lui. Donc, ok. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'en fait, vous voulez avoir l'ascendant psy, l'ascendant de l'argent sur la meuf? Pour qu'elle reste avec vous? Genre vous dites, sans mon argent, je suis pas un homme? Donc là, en gros, vous dites que vous cherchez des michetonneuses. Des meufs qui sont là que pour votre argent. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Si ça te dérange qu'une meuf, elle gagne plus que toi, et que tu te sens pas homme parce qu'elle gagne plus que toi, ça veut dire que c'est l'argent qui fait que t'es un homme? Ou c'est le fait que c'est la réussite qui est dictée par l'argent, etc. Parce que je pense que tu peux être un homme accompli, avoir une bonne place, etc. Et que ta meuf aussi, frère. Aussi. Ta meuf, elle peut, je sais pas, être avocate ou chef de cabinet, je sais pas quoi. Et frère, elle gagne plus d'argent que toi, tant mieux. Imagine ta femme, c'est une artiste. Je sais pas, elle fait de la musique et tout. Non, moi, ça me dérange vraiment pas. Hein. Le lien du Discord est expiré. Non, c'est point d'exclamation Discord. C'est Discord point... Ça GG, ça se met le cœur, non? Ouais, 18 boosts, il y en a, wesh. Ok, il faut que je sache qui est... les gars, dites. Dites de quel côté vous êtes. Ça dépend si tu parles de salaire ou d'argent global. Non, moi, bah, je te parle de salaire. Que moi, si ma femme, elle est fils de bourgeois, je sais pas quoi, bah, je suis vraiment content. Hein. À part si elle a un comportement de pétasse, du coup. Je veux gagner plus. Ok. Allô? Allô? Ouais. Ça va? Ouais. Ça va, mec? Pourquoi tu... Du coup, j'avais une question... T'as entendu la question? Tu voulais donner ton avis? J'ai entendu la question. Et, moi, je veux gagner plus d'argent. Car, genre, si... Genre, sa famille... T'as capté.
Ok. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah, genre, si, genre, un exemple, genre, si on a des enfants et tout, on part en voyage avec toute la famille. Et genre, celle qui paye pour... Non, mais ça dépend. Ok, maintenant je vais te dire, la question c'est, ta meuf gagne plus que toi, c'est tout. Mais est-ce que ça se fait ressentir? Ta Genre, elle meuf paye gagne pour plus que tout. toi, c'est tout. Elle gagne, Mais ouais, c'est vas-y. le Ok, loyer ou pas? vas-y. Ta meuf elle gagne 5 000 euros par mois net, toi tu gagnes le SMIC, tu gagnes 1 200 balles par mois, 1 300 balles par mois. Ah, je suis bien. T'as quel âge? Comment ça je suis bien avec 1 300 euros, frère? Ok, vas-y, donc ta meuf, elle gagne 5 000, toi tu gagnes 1 300. Ça te dérange ou Ouais. pas? Bah ouais. Pourquoi? Bah parce que si... Mais si elle paye le loyer et tout. Ah bah là, mon gars, si t'as que 1 200 par mois, y a forte chance qu'elle paye le loyer. Elle paye le loyer, ça veut Ouais. dire... Ça veut dire que c'est elle qui a de l'importance, genre. Comment ça? Genre si... Genre si on divorce, c'est elle qui a les enfants et tout. Bon, dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'elle ait les enfants dans tous les cas. Non. Si. Si j'ai plus d'argent, elle est au SMIC, elle a pas de loyer et tout, c'est moi qui aurai Ça, les enfants. non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme Oui. ça, frère. T'es bête ou quoi? Elle Non, a pas de moi. foyer. Demande-lui son origine, c'est pour une expérience. Elle habite nulle part. Elle a pas Bon, d'argent. du coup, en gros, tu te mets avec une meuf en pensant que tu vas divorcer, du coup. C'est quoi cette moi? Si je me marie, je vais divorcer. Pourquoi? Le Ça sert à monde quoi le est. mariage? Le monde, il est méchant, c'est ça? Ben, par exemple, tes parents, ils ont divorcé. Ouais, mais moi, je suis pas mes parents, moi. Ouais, mais... Moi, si je me T'es marie, je. raciste. Quoi? Non, rien, les sœurs. Bon. Allez, ciao. Vas-y, va manger ton caca, hein. Ok. Contre, on veut gagner plus. Okay, je veux quelqu'un qui argumente bien, s'il vous plaît, ou juste que je Contre, on comprenne ce gagne qu'ils pour disent. aller. Je veux quelqu'un qui a. Ah, salut mec! Allô? Ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille. Du Non, coup, j'avais posé une question, c'était est-ce que ça te dérange si ta meuf elle gagne plus que toi? Du coup, je vais refaire le même truc, c'est ta meuf elle gagne 5 000 balles par mois, toi t'en gagnes le SMIC quoi, donc 1 200, 1 300. après moi, j'ai pas vraiment d'arguments qui vont mettre d'accord tout le monde, mais dans ma famille, Ouais. de ma culture et tout, c'est comme ça, genre. C'est l'homme qui assume le Ouais. foyer. Mon daron, il a fait ça. Mon grand-père, il a fait ça, genre, c'est comme ça. Ouais, mais regarde, si ton daron il avait le choix entre. Si ton daron il avait le choix que genre ta femme elle gagne. Que sa femme elle gagne 5 000 euros par mois en plus du fait que lui il gagne son salaire, tu penses qu'il aurait refusé? En vrai, c'est une bonne question. Après, moi, si je prends que de mon point de vue, tu vois, les femmes, t'as vu les femmes que je convoite et les femmes que j'attire, si elles gagnent plus que moi, au niveau du comportement, au niveau de la manière de parler, ça va se faire ressentir. Je sais Comment pas si tu vois ce que je ça? veux dire. Non. Ah, Genre, mon gars. tu viens d'en bas et elles viennent d'en haut, c'est ça? Ouais, genre en mode. Elles vont parler, genre, moi j'ai déjà eu des. Il y a déjà eu des cas comme ça, genre, Genre, mes l'histoire proches et tout. Mais genre, en du. mode, regarde, j'avais des grands cousins, bah, ils s'est mariés avec une meuf, ils avaient rien au début. Mais ça La leur meuf, arrive. elle avait une société, elle a, genre, c'était la meuf la plus humble du monde, tu vois. Elle avait une société, ça a marché, elle est devenue vraiment à l'aise. Ok. Et lui, ça a pas trop décollé. D'accord. Et ça, et de la manière dont elle parlait, genre ça, tu vois, tu sens que, wesh, elle a Donc. plus de talent que lui, et elle lui fait ressentir. Ouais, mais ça veut dire que c'est pas bien ça. Si la Oui, meuf mais elle est en fait, pas humble, pour moi, du coup non oui, mais mais. du coup ça veut dire que toi si t'as une meuf tu vas lui faire ressentir que genre c'est toi qui domine, tu vois, c'est ça? Non, même pas. Mais dans le sens où moi, comme dans ma famille, tu vois, c'est la norme. Pour moi, ce sera juste une norme.
Donc tu Maintenant, dis, elle. ça veut dire, tu dis, j'ai compris ce que tu veux dire, genre en mode tu dis, si une meuf elle gagne genre 5 000 balles et toi le SMIC, elle va te faire ressentir en disant ouais toi t'as pas de talent, moi j'ai l'argent, tu vois. Ouais, à plus ou moins. Ouais. Ok, Ça veut dire bon. je pense qu'il y a des meufs qui font ça, je pense aussi, non en vrai faut dire la vérité, je pense qu'il y a des meufs, dès qu'elles vont gagner même juste 2 000 euros par mois, elles vont commencer à faire les grossistes, à dire ouais moi je veux pas un homme qui gagne le Ouais. SMIC, moi tu vois genre. Il y a des meufs, elles vont faire ça. Il y a des meufs, elles vont faire ça. Mais je pense aussi qu'il y a des meufs qui en auraient rien à foutre. Mais après, tu vois, même les meufs qui en ont rien à foutre, même en fait tout le monde, hein, tout le monde sur Terre, quand genre on gagne un peu beaucoup d'argent, genre ça peut facilement monter à la tête, genre. C'est comme ça. Ouais, bah après, je pense On que habite. c'est plus les gens qui. Moi, je. Ok. Demain, par exemple, tu gagnes vraiment beaucoup, beaucoup d'argent et que Vas-y, t'as une donne-moi une meuf. somme. Donne-moi une somme. Ah, je sais pas, tu te mets genre, tu d'un coup, Par il se mois, passe une dingue. j'envoie combien par mois? Dis-moi, dis les chiffres, moi je veux. 10K, 10K, 10K 10K par par mois. mois. T'es vraiment très très à l'aise, genre t'es trop bien. Et tu parles avec une meuf depuis un certain temps et tu pètes après avoir parlé avec la meuf. Ça veut dire là, t'es à l'aise, genre vraiment, ton train de vie, il est trop particulier, tu vois. T'as trop un train de vie de riche. Forcément, ça va te monter à la tête, tu vas faire des trucs que tu faisais pas avant. Et je sais pas, même dans ton entourage, dans ta manière de parler, tout va changer en fait. Ça veut dire que. Je pense pas. C'est un ouf, il a dit 10K, c'est nul. Non, je pense pas. Je te dis honnêtement. Je te dis honnêtement. C'est pas. Genre, ça veut dire. Moi, si plus la situation de la meuf elle est bien, mieux c'est. Genre, tant mieux pour elle. C'est pas un critère, mais genre en mode si la meuf. Je prends deux meufs identiques. Il y en a une, elle gagne 1K par mois. L'autre, elle gagne 5K par mois. Mais je préfère. La meuf a 1K, bah je prends la meuf à 1K. C'est pas un critère en gros l'argent. C'est si elle est bien, si elle aime bien ce qu'elle fait et tout. Ok, Si elle ok. gagne même plus d'argent que moi, la tête de homme, ça me dérange pas. Tant que on enlève ce truc de ouais, elle va te faire ressentir en disant ouais, t'es un moins que rien, moi je gagne plus d'argent, c'est pas censé être comme ça, c'est l'homme qui doit gagner. Mais si, juste chacun gagne son argent, en plus on va se marier, on va avoir une maison, on va avoir des enfants, mais c'est trop bien qu'on ait le meilleur cadre de vie possible. Ouais. Après, je dis pas que ma meuf doit, genre, en mode, je sais pas Mais si je gagne, genre. tu veux pas que, en gros, t'aurais peur que la meuf, elle te fasse ressentir que le fait que C'est ça, et même pas, genre, que t'as pas moi, d'argent. si je me marie avec une meuf, forcément, elle va pas commencer à dire des trucs bizarres, genre en mode t'es une merde parce que t'as pas d'argent ou quoi, parce que je l'aurais choisi. Tu vois? Ça veut dire que je connaîtrais un peu la personne, mais Toi, elle en gros, va tu veux peut-être être le me faire chef de ressentir. famille. Enfin, tu veux être le chef de famille, genre moi, tu veux être le mec qui ramène l'argent et elle a la maison ou quoi le taf. Non, pas forcément, je sais pas Ok. forcément. Forcément. Non, mais il y en a, ils Après, si veulent, elle est à la hein. maison, Il y en a, ouais, ils veulent, après, si elle hein. a le. Ouais, voilà, si elle est à la maison, ça me dérange pas après. Mais. Et moi, c'est comme Ok, ça. Hein. ok. Après, vous prenez les extraits en mode Chelsea qui est à 5K, ça peut être 2K, 3K. Ouais, mais si c'est 2K, 3K, Oui, la c'est différence, trop. vas-y. C'est. Faut une différence qui fasse qu'il y a un. Il y a un truc, tu vois. Vas-y, ok, bah c'est cool. Merci d'avoir ton avis. Merci pour ton avis, mec. Vas-y, merci. Ok. Pour le fait que ce soit moi, femme, qui paye, ça devrait pas être problématique. Parce que finalement, en amour, l'argent n'est pas censé rentrer en ligne de C'est compte, je pense. ça. Mais là, pour le coup, je pense que c'est lui qui a monté le truc en épingle, alors qu'en Bah fait, au ouais. final, on s'aimait vraiment. Cette histoire d'argent a un petit peu gâché les choses, quoi, je Bah trouve. ouais, si c'est Après, il y a l'argent qui aussi plein gâche de les trucs, paramètres à prendre c'est en chaud quoi. Est-ce que c'est le côté C'est financier justement qui dommage. a dû mettre fin à la relation? Ça y a SED Carmel à quand la très, très, dégustation très, m'a fait très en grandement live? contribué. Plus de J'ai ton déjà côté fait, ou de ouais. Tchichien? Je pense plus du mien, parce que Simon je me m'a fait, suis merci pour dit le que cinquième déjà, mois. j'en avais marre, en Yannisso, fait, merci de pour le payer treizième pour mois. deux. Si je viens d'arriver, c'est quoi le sujet? Parce que j'avais pas énormément de sous. Et lui faisait rien pour se remettre un peu sur les rails, en fait. Et puis il y a eu ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui ont fait que voilà, enfin. Mais c'était pas la raison principale. Oh, l'État, C'était une ouais. grande partie de la raison pour laquelle ça n'a pas. L'État pour l'héritage, il Non, prend ça va faire. 50% Mais facile, hein. Même plus, hein. je suis plus avec lui, on a chacun continué notre vie. On n'en a jamais parlé d'ailleurs de ça. Enfin, je veux dire, après coup. Ouais, parce Ah, qu'en c'est fait, le dommage, c'est côté l'argent de financier, l'argent, ça revient l'ego de toujours sur l'homme. la table. Donc on peut pas y échapper, en fait. Ouais. Mais je pense que comme toute relation, enfin, pour qu'une relation marche bien, Faut je pense qu'il faut avoir. en parler, Ouais. comme de tout. Et Maj, je on a un pense. magnifique chalet ou alors en face des Caraïbes? Caraïbes, ça a l'air mieux, hein?
Franchement, qu'est-ce que je m'en bats les couilles d'aller dans un chalet où il y a des, où y a des salles de torture sûrement dedans, des salles secrètes de torture. Mine de rien, ça reste quand même vachement, vachement tabou quand même. Au bout d'un moment, s'il n'y a toujours pas de travail, comment ça se passe? Ça dépend pourquoi il a. Ok, c'est bon. Mais en vrai, j'en ai assez entendu.